Yep le poteau, c'est Balki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing. Toute petite vidéo unboxing, là c'est un petit produit que je vais vous présenter. Mais je vais surtout vous parler du site qui est franchement hyper propre. J'ai jamais vu un truc aussi rapide que ça. Le jour de la commande, j'avais commandé qu'il était 17h30 voire 18h. Le colis a été expédié le jour même. Et j'ai reçu le colis aujourd'hui, donc 2 jours après. Bon, elle était peut-être grand maximum 3 jours après la commande. Donc très 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 rapide. Franchement, rien à dire. Donc on se retrouve juste après le générique. Et re les amis, donc voilà le colis, enfin le site où j'ai commandé mon colis. Comme tu vois, c'est un site qui est uniquement dédié à tout ce qui est à l'éclairage LED, que ce soit ampoule, plafonnier, applique, ruban LED, projecteur à LED et aussi lampe horticole, enfin horticole LED. Donc le horticole, pour ceux qui ne savent pas, c'est des plans qui permettent de... Par exemple, quand vous avez une naissance dans les animaux, donc les vaches, les boutons et ainsi de suite, ça vous permet aussi de les maintenir à une chaleur bien spécifique. Ça aide aussi pour les plantes. Je ne vais pas vous dire quel genre de plantes, hein. Mais bon, tout le monde connaît le genre de plantes qu'on peut faire avec ça. Non, mais principalement, par exemple, les orchidées et tout ça, donc voilà. Après, il y a des projecteurs LED, donc ça, je ne sais pas exactement ce que c'est. On va regarder un petit peu ce qu'ils proposent. Ouais, donc c'est vraiment des petits panneaux LED, en fait, hein. Et vous voyez, les prix ne sont pas extrêmement chers. Ici, un 10 watts, 7 euros. Le 30 watts, ici, il fait 20 balles. Le 50 watts, 40 euros. Un 100 watts, carrément. 100 watts hein, en LED, je peux vous assurer que ça envoie déjà pas mal de... Que ça envoie déjà du steak. Et il est à 60 balles. Donc, c'est franchement très, très, très correct. Et ça existe en noir également. Donc, pour un 50 watts, 40 balles, c'est très... Ouais, ça reste... très honnête. Bon, après la qualité, je vous en parlerai peut-être plus tard si vous voulez, parce que moi je me suis commandé un ruban LED un peu spécifique, vous allez voir après. Donc ici, au niveau des rubans LED justement, alors il y a du RGB, vous avez du bleu, donc ça c'est uniquement une couleur, hein. Couleur bleue pour l'extérieur, pour le blanc, ça c'est qu'une seule couleur, le rouge une seule couleur. Il y a du néon flexible aussi, ça peut être super sympa. Il y a du ruban LED vert, donc ça c'est que des seules. Quand c'est marqué une seule couleur, c'est que ça fait pas une seule couleur. Enfin, ça fait qu'une couleur, quoi. Il faut prendre, si vous voulez, du multicolore, il faut prendre RGB. Sinon, le néon LED flexible, c'est ça. Ça, c'est franchement la tuerie du moment pour les rubans LED. C'est beaucoup mieux qu'un ruban LED classique, car ça se plie comme vous voulez, et vous pouvez faire vraiment un effet néon. Et l'avantage de ça, c'est qu'on ne voit pas les LED à l'intérieur. Vous voyez les rubans LED classiques, on voit les petits carrés. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop. Et là, avec ce truc-là, on ne voit rien du tout. Les LED sont à l'intérieur et c'est une espèce de caoutchouc blanc, enfin transparent, qui se remet par-dessus et qui cache tout. Et donc, on ne voit vraiment rien du tout. Et après, ben, l'avantage, c'est qu'on peut, les tordre comme on veut. Enfin, les tordre comme on veut. Il y a quand même une certaine limite à ne pas dépasser, sinon on va craquer tout simplement le ruban qui est à l'intérieur. Mais on peut faire un effet néon avec. Donc faire des lettres, si vous regardez un petit peu, vous tapez kit néon LED flexible sur YouTube, vous verrez qu'il y a pas mal de gens qui ont réussi à faire des lettrages et tout ça avec ce genre de ruban. Donc ici 20 balles les 1 mètre, bon c'est encore un peu cher, pas très longtemps que ça existe, donc c'est encore un peu cher pour moi. Genre on va prendre une taille standard, on va prendre enfin, taille standard du moment, c'est plus dans les 3-4 mètres voire 5 mètres, on va regarder pour le 5 mètres. Ouais, 60 balles les 5 mètres, ça pique quand même la gueule. Hein. Donc, dans les 50 mètres, il faut compter, à mon avis, 300-400 euros. Ouais, vous voyez, 409 euros. Bon, après, c'est 50 mètres. Ça peut être pas mal. Après, c'est clair que pour faire des lettres, il vaut mieux prévoir quand même quelques mètres. Parce que j'avais dans l'idée, moi aussi, de faire un truc dans le genre, faire mon logo. Enfin, mon logo.
mon nom de la chaîne au Bikil. Bikil 187 avec un genre de néon comme ça. Ça pourrait être très sympa. Mais il faut compter facile. On va dire 1 mètre par lettre. Y. Donc ça fait déjà 6 mètres au minimum. Pour faire les comment dire. Les courbures et ainsi de suite. Donc ça fait 70 euros. Ouais, c'est. Bon, ce qui reste beaucoup moins cher qu'une lampe néon classique, hein, du vrai néon. Pour faire un logo comme Bikil 187 par exemple, il faut compter dans les 300-400 euros. Ici pour 6 mètres, normalement. Ou si vous voulez voir un peu plus large et être sûr d'avoir assez, ou tu prends directement 10 mètres, ça te fait 110 balles. Et qu'un vrai effet néon, c'est dans les 3 minimum 250 euros. Donc voilà. Bon, comme tu vois, il y a pas mal de trucs dans les rubans LED et tout ça. Donc après, il y a du classique, hein, du RGB par exemple. Voilà, pour 10 mètres ici, bah, 17 balles. Donc ça reste très correct. Franchement, 17 euros pour un 10 mètres, c'est vraiment pas cher. C'est limite même les prix qu'on trouve par un. Sur les sites chinois, une dizaine de entre 10 et 15 balles en général, et 10 mètres ici c'est 17 balles. Il y a un petit frais de livraison aussi, enfin des petits frais de livraison parce qu'ils livrent en colissimo. Moi ici j'avais payé, je crois que c'était 6 euros il me semble. Ça je peux vous dire ça dans 2 secondes si j'arrive à retrouver la facture. En fait le ruban que j'ai pris il me revient à 21 euros parce que c'est un ruban, comme je l'ai dit, un petit peu particulier, donc il coûte un petit peu plus cher que la normale, mais je ne sais plus. Ouais, bah je sais plus parce qu'ils disent que le produit m'a coûté 11,67 € et livraison 10 euros, donc ce qui fait 21,67 €. Donc j'ai payé 21,67 € au total. Donc apparemment ils m'ont compté 10 euros de livraison. Mais moi sur le site j'ai payé moins cher en livraison. Et c'est le ruban qui était plus cher. Et ici sur la commande, enfin sur la facture, c'est l'inverse. Non, enfin, c'est pas grave. Le prix est quand même bon, hein. C'est quand même 21 €, il est plus cher que j'avais payé. Mais c'est juste que le prix d'envoi est plus cher que le ruban. Alors c'était l'inverse, le ruban était plus cher que le prix d'envoi. Mais bon, le principal c'est que la facture soit juste, que j'ai payé bien 21 €. Donc c'était 21 euros pour un ruban de 2 mètres, je crois, il me semble. Ça par contre c'est pas marqué sur la boîte parce que le ruban il me l'a envoyé dans la boîte du chargeur, donc bref, ça c'est pas un souci non plus. Enfin, comme vous voyez, il y a de tous les prix, voilà, néon RGB par exemple ici, 29 euros. On va regarder un petit peu, ouais c'est 29 balles pour 1 mètre, mais parce que c'est du RGB donc il y a quoi. Il change de couleur et les couleurs sont quand même relativement assez sympas, comme vous voyez, les couleurs franchement sont vraiment très sympas. Bon, ah ouais, voilà. Ici c'est quand même 30 balles. Prendre une grandeur nature, enfin grandeur standard pour une chambre, donc un 5 mètres par exemple, ouais ça fait quand même 77 euros les 5 mètres. Mais bon, ici c'est une nouvelle technologie, donc ça fait vraiment un effet néon. Assez sympa, j'ai déjà vu pas mal de vidéos dessus et c'est vraiment assez sympa. Sinon, bon, bah ici après il y a du RGBW, donc ça c'est la nouvelle norme qui soi-disant consomme encore moins que les vrais de vrais. Là c'est 30 balles aussi, donc là ici ça fait 60 balles les 5 mètres. Bah, là ça pique un petit peu la gueule aussi, mais bon, si vous vous contentez d'un ruban classique, voilà celui-là 17 balles. 5 mètres, ouais, donc c'était 17 euros le mètre, ici 35 euros les 5 mètres. Ouais, ça reste encore très 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 correct quand même. Bon, parce que donc, là ce sera plus les prix chinois, mais normalement on devrait avoir une qualité quand même supérieure à un ruban LED chinois, donc il faut voir exactement la durée de vie dans le temps. Au niveau des caractéristiques, 12 volts, donc il y a 30 LED par mètre, donc c'est quand même relativement très très correct. Au niveau de l'énergie, on a A++ parce que ça consomme quasiment rien. 35 piles de vie, donc voilà quoi. Épaisseur 2 mm, largeur 10 mm, ouais, donc c'est vraiment du très bon ruban. Hein.
Ouais, non, ça va, franchement. Donc ceux-là, par contre, ils sont pas étanches, hein. Regardez bien aussi quand vous commandez. Donc ce genre de ruban-là n'est pas étanche. Hein. Ça, c'est très important aussi. Je connais pas mal de gens qui se sont retrouvés, enfin, qui ont eu des surprises, donc... regardez bien quand vous commandez pour prendre un ruban LED qui est étanche. Ici c'est marqué, non, c'est pas marqué. Ici celui-là, voilà, il est IP54 donc il est étanche. Bon, par contre, ce serait peut-être un peu plus cher. Quoi. Voilà. 24 balles le mètre, donc pour 5 mètres, ça nous reviendrait à 64 euros, 30 LED par mètre. Après, il y a 60 LED par mètre, donc là forcément, c'est un peu plus cher. Ouais, 5 euros plus cher, ça va encore. Mais là, il aura une plus grosse luminosité forcément parce qu'il y a 30 LED de plus. Au mètre. Donc franchement les gars, je vous recommande ce site. C'est un très 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 bon site, il n'y a rien à dire. Donc vraiment un site super sympa, très pro, parce que j'ai commandé très tard et ça a été livré en moins de 2 jours, enfin en 2 jours et demi à peu près. Donc franchement vraiment vraiment rien à dire les amis. Donc pour ceux qui recherchent un très bon site, eh ben je vous recommande donc boutique LED. Voilà, vous tapez ça sur YouTube, sur Google, pardon, et voilà, vous devez trouver votre bonheur. Comme vous voyez aussi, ils font des bons plans en déstockage et tout. Donc on va checker ça vite fait. Voilà, en déstockage, par exemple, ben on a un spot ici de 100 watts, normalement qui coûte 60 balles, et ben ici il est à 30 euros. Donc 30 balles de moins, 50% de moins cher dessus. Ils vont tenir des ampoules LED et tout, donc c'est plutôt assez sympa. Bon, en déstockage, il n'y a pas énormément d'articles parce que c'est des déstockages, hein, donc forcément, il n'y aura pas énormément de choses dessus. Mais ça reste quand même assez sympa d'avoir un 50% sur un article qui vaut 60 balles. Donc ici, ouais, c'est plus des, ouais, tout ce qui est kitterie d'ampoule, kit ampoule LED. Ouais, ils vont carrément tous les kits complets, ouais, c'est plutôt sympa. Bon, au niveau de la gamme, il n'y a pas énormément encore. Il n'y a pas énormément, mais bon, c'est on a le minimum, quoi. Après, je suis tombé sur le site par hasard, hein, parce que je cherchais après un ruban LED, comme je l'ai dit, très particulier, et je suis tombé sur ce site. Et je regrette pas, parce que franchement, au niveau des rubans LED, là, il y a moyen de vraiment, vraiment moyen de s'éclater. Bon, après, c'est un peu chéros, il est bien si vous recherchez vraiment... comment ? Des rubans LED bien spécifiques. Moi, je vais vous montrer lequel que j'ai pris et vous allez comprendre pourquoi il est un peu spécifique. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver à ce prix-là. Sinon, je payais. Sinon, c'était beaucoup plus cher. Donc, on se retrouve sur mon, enfin, sur ma webcam. Donc, les amis, donc voilà comment j'ai reçu le ruban LED. Donc, déjà dans une enveloppe, j'ai reçu le chargeur. Bon, chargeur tout à fait classique, hein, quand même avec un grand câble, donc assez sympa. C'est du combien ça? 12 volts 1,5 ampères, voilà, prise européenne, hein, vous voyez, avec le petit chargeur qui est ici. Et dans la boîte du chargeur, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, enfin pendant que je vous montrais le site, le ruban LED est à l'intérieur. Alors hop, donc j'ai pris, c'est bien un mec que j'ai acheté. Voilà, vous avez le petit chargeur qui est ici pour brancher, enfin l'adaptateur pour brancher tout simplement le chargeur. Et le ruban est juste là. J'essaie de. Voilà, c'est bon. Il est ici. Je vous ferai voir peut-être dès qu'une vidéo, enfin quand je ferai peut-être une vidéo à part, parce que là, je n'ai pas de fiche libre pour l'instant pour vous le brancher. Et puis en journée, ça ne verra pas super bien. En fait, c'est un ruban LED ultraviolet. Vous savez, comme dans les soirées, quand les lampes ultraviolets s'allument, vous avez tous les blancs, enfin tous les vêtements blancs qui ressortent vraiment super bien et tout. Et ben, c'est ce ruban LED, un ruban LED comme ceci que j'ai acheté. Donc là, c'est 1 mètre, comme tu vois. Donc ça fait 21 euros le mètre. Bon, c'est un peu cher, mais comme je t'ai dit, là, si c'est un ruban LED aussi particulier, c'est pas des rubans LED RGB comme tu connais habituellement. Donc forcément, oui, ça coûte un peu plus cher. J'ai vu d'autres sites où ils vendaient le mètre à 40 balles, hein, par exemple. Hein. Ou voire 60 euros. Donc voilà. Donc ici, on verra la qualité. D'après les recommandations du site, parce que j'étais tombé dessus par hasard, j'ai quand même été voir des petits avis avant de commander dessus. Il avait quand même une très bonne réputation.
ni bonne ni mauvaise, donc on verra. Donc une qualité du site, on va dire standard, classique, un petit peu comme Amazon, tous les sites qu'on connaît de vente, où ils vendent un petit peu des choses, diverses choses, on va y arriver. Donc voilà les poteaux concernant donc le site là. Donc si tu recherches tout ce qui est panneau LED, ruban LED pas trop cher et tout, et surtout avec un service de livraison mais ultra rapide, hein, franchement j'ai halluciné, mais vraiment, déjà que j'ai halluciné que j'avais commandé assez tard, donc j'ai dit il était 18h à peu près quand j'ai passé la commande et que j'ai reçu un mail comme quoi la commande était déjà expédiée, pas préparée, expédiée, elle a été, donc franchement super intéressant juste pour ça, déjà rien que pour ça c'est super intéressant, et puis voilà. Donc je vais vous laisser les poteaux et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.